Lorsque l'on écoute les médias occidentaux, la France serait intervenue au Mali pour lutter contre le terrorisme et sauver les populations locales des djihadistes. Lorsqu'on y regarde de près, cette rhétorique des médias de la France-Afrique est grossièrement fausse et mensongère. La véritable raison de l'intervention de l'armée française en Afrique, notamment au Sahel et dans le nord Mali, est tout autre. Le Mali dispose d'énormes réserves gazières, minières et regorge d'énormes quantités de pétrole que la France convoitise et ne veut en aucun cas laisser la gestion aux autorités maliennes. Avec ses immenses ressources énergétiques situées à cheval sur les territoires de la Mauritanie, du Niger et de l'Algérie, et également ses réserves de gaz situées à proximité de la capitale Bamako, le Mali pourrait attirer les convoitises. Le pays a tenté de dynamiser son industrie pétrolière à l'image de celle minière, mais la faiblesse de la gouvernance et l'insécurité dans le nord du pays, principal bassin pétrolier, empêchent réellement la mise en valeur du potentiel pétrogazier du Mali. L'oligarchie française considère cette partie de l'Afrique comme un territoire d'outre-mer, une colonie. Le départ du président Ibeka du pouvoir a contrarié les plans obscurs de l'oligarchie française au Mali. L'actuel président de la transition, Assimi Goïta, a clairement fait savoir à Macron que l'armée française sur le sol malien n'était plus la bienvenue. Dites nous ce que vous en pensez dans l'espace commentaire de la relation brûlante entre le Mali et la France. Est-ce que la France au XXIe siècle a le droit de laisser son armée sur les sols africains? Faites-le nous savoir. Sur ce, nous vous invitons à vous abonner. Abonnez-vous les amis.